Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous passons à la recherche d'effets sonores. Alors, le site pour trouver facilement sur le net des effets sonores, c'est FindSound. Vous allez sur le lien qui sera dans la description. Et par exemple, ici, je souhaite trouver un effet sonore correspondant à un cri de loup. Donc, je coche loup. Plusieurs effets me sont proposés qui viennent sur des sites. Je les écoute et je peux éventuellement les télécharger. L'autre moyen de trouver des effets sonores, c'est par votre moteur de recherche. Donc ici, dans Google, puisque nous sommes en pleine période Star Wars, je vais chercher un effet de sabre laser. Google me propose plusieurs sites. Je vais aller sur un site spécialisé. Et je tombe sur un site spécialisé sur les effets sonores de Star Wars. Je peux là aussi télécharger différents sons. Alors, Soundbank est un site vraiment sur lequel on peut trouver énormément d'effets sonores. Voilà, par exemple sur Star Wars. Donc ils défilent, on peut les entendre. Et pour les enregistrer, ça se situe juste en dessous de cette fenêtre. Voilà les liens. On va enregistrer par exemple Chewbacca. Enregistrer le lien sous. Et vous avez votre son au format MP3 qui s'enregistre sur votre bureau. Le problème, c'est au niveau des droits. Je ne sais pas trop si on a les droits d'utiliser tous ces sons. Sur le site de la Sonothèque, pas de problème de droit, puisque c'est un site où vous pouvez télécharger des sons gratuits et énormément de conseils. Sur Dinosauria, également au niveau des droits, là c'est très très clair. Vous avez un certain nombre de bruitages qui sont du domaine public que vous pouvez télécharger facilement. Ici, pour un bruitage d'horreur, tiens, un monstre qui grogne. On écoute le son. Et pour l'enregistrer, un clic droit, enregistrer le lien sous. Et là aussi, votre fichier est enregistré au format MP3 à l'endroit que vous souhaitez. Vous pouvez également télécharger des packs complets de bruitage, comme par exemple sur ce site, le lien sera dans la description. Ce pack comprend, je dirais, une centaine de bruitages, peut-être un peu plus. Donc si on extrait l'archive, vous pouvez avoir un aperçu ici de la quantité de sons qui vous sont proposés. Personnellement, je vous ai fait un petit pack de bruitage gratuit qui est téléchargeable depuis le site. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Un petit clic j'aime fait toujours plaisir.